Attention, travaillez calmement, hein? Concentrez-vous. Je dis bien, l'exercice est au tableau. Vous allez faire écrire les divisaires de chaque nombre, ensuite entoure leurs divisaires communs et note leur PGCD. Nous avons 24 et 36. Oui, tu dis quoi? C'est fini. Qui autre qui a fini? Je viens d'abord vous voir. J'ai trouvé les diviseurs de 24 et de 36. J'ai encerclé les diviseurs romains. Puis, j'ai cherché les plus grands diviseurs romains et je l'ai trouvé. Ah, c'est comme ça que tu as fait, hein? Oui. Voilà. Qui a fini? Oui. Tu as fait comment? J'ai pris les divisaires de chaque nombre, ensuite divisé, entouré leurs divisaires communs, puis j'ai noté leurs divisaires aidés. Très bien, les suivants. Qui a terminé? Qui a terminé? Qui c'est là? Oui? Je suis là, j'ai des contrôles pour les questions. J'ai dit ceci, si tu trouves les divisaires de chaque de nombre 24, tu trouves encore les divisaires de 36, ok? Ensuite, tu vas trouver les divisaires communs des idées nombres 24 et 36. Et en même temps, tu trouves les PGCD, les PGCD, puis grand commun du leader. Est-ce que tu as compris? Ça va? Oui? Docteur, tu as fini? Tu as fait comment? Les PGCD signifient quoi? Les PGCD signifient plus grand, plus grand, plus grand. Voilà. Ici, tu n'as pas encore fini. Hein? Toi, tu es donc le travail. Hein? Si tu n'as pas compris ça, comment tu veux le débat? Fais ta place. Et donc, tu n'as pas une bonne décision. Posez-le-moi, on travaille avec posez-le-moi. D'accord? Oui, qui en finit? Ça a fini aussi? Ah, moi, je savais la vérité. Voilà, nous étudions les PGCD. Nous allons vouloir savoir comment trouver les PGCD. Le plus grand problème du budget. Ça va aller les amis. Si après vous pouvez aller vous dire que vous ça va. Ça c'est le premier. Ça c'est bien. Ça c'est bon. Ça c'est comment il se dit. Qui vous met? Ça c'est comment? Ça c'est bon. Mais c'est intelligent, mais c'est vrai. Mais il faut savoir expliquer ce que tu as travaillé, ok? Mais
perdez pas seulement le temps. Hein? Vous travaillez. Yeah.
Les diviseurs des nombres, ce sont les nombres qu'on trouve à la fois dans 24 et à la fois dans 36. C'est ce qu'on appelle les diviseurs communs. Vous comprenez? Maintenant, il reste une autre question. Nous allons trouver le plus grand nombre divisé, c'est-à-dire le plus grand nombre qu'on trouve dans 24 et dans 36. C'est ce qu'on appelle les BGCD. Le plus grand commun divisé. Qui va en chercher maintenant pour savoir trouver les BGCD? De combien? Je n'ai pas appelé monsieur. Il y a des garçons qui sont passés, un garçon, une fille. Oui, il n'a pas parlé de ce que je veux faire. Distraction, non. Ok? Oui. Alors, on va parler de ça. Il va nous intégrer le plus grand commun, le plus grand commun divisé. Oui. Entre 24 et 30. C'est ce qu'on fait taper les mains une fois. Taper les mains une fois. Très bien. Très bien. Merci. Maintenant, nous allons corriger.